Sup les petits amis, donc nous voilà pour l'épisode 4 d'Halo, je crois, putain, je me souviens plus en vrai. Donc toujours en compagnie de Connard 29 là. Et surtout de notre cher Falcon 27. Hello tout le monde. Saute partout là. Il est content, saute partout. Salut. Ah, il est content. Content. Alors, je tiens quand même à dire un truc, on est vraiment désolé pour l'épisode précédent parce qu'il était riche en blagues à la con, hein, faut dire ce qu'il est. Je veux dire, il y a eu des trips certes, mais voilà, quoi, c'est un peu dommage pour tout le monde, quoi. Hein, je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être pleurer en regardant l'épisode, d'autres qui vont peut-être mourir. Tellement c'est honteux de faire des blagues comme ça. Et je suis aussi très désolé pour le skill de pèlerin qui était, mais nul à chier. J'ai jamais vu un mec aussi nul. Bon, en tout cas, on espère que vous prenez toujours autant de plaisir que nous à visionner, tout comme nous, à tourner ce let's play en tricommentary. Honnêtement, c'est tout simplement énorme. On peut encore une fois le repréciser. Donc là, cette fois, on est toujours sur Terre. On a passé Boy dans l'épisode numéro 3. Et on va être dans cette mission, si je me trompe pas, alors que je regarde le briefing. La tempête, reprenez la ville, faites de la place. Donc je vous préviens tout de suite, ça va être encore une mission beaucoup portée sur les véhicules. Vous restez dans le véhicule, je vais ouvrir, vous allez comprendre pourquoi. Ouais, mais tu vas aussi aller dans un véhicule. Non. Ah, sur nous. Pas maintenant. Y'a pas de Warthog ? Ah, y'a pas de Warthog. Attends, il va nous faire un sale coup, je sens qu'il va y avoir un tank en fait. Allez-y. Interdit. En fait, ça va nous servir à rien. Là, c'est très. Si, non, mais n'endommagez surtout pas le Warthog, hein. c'est pas des bêtises que je vous dis. Hein. Bah attends, je vais conduire alors, parce que sinon ça va pas aller. Je vais aller vous ouvrir. J'avoue que ça va être compliqué avec moi, hein. Je suis très mauvais conducteur. Hein. Si je peux, je vais vous ouvrir la porte là tout de suite. Yep. C'est où ? Yep. Lol, yep. Le mec, il sait pas où est l'interrupteur. C'est pas possible ça. On va déjà perdre Falcon, c'est chaud. Tiens, David, tire au-dessus, David. Il va mourir. Oui. Tiens. Moi, c'est pas grave, mais. Oui, bah excuse-moi, mais c'est vrai que dans l'urgence, j'ai un peu du mal. Voilà, parfait. Mais non, je rigole. Tu pèlerins, oh, tu pèlerins. Non, j'ai connu les personnes. Bon, les petits grognards, ça va pour l'instant. Ok. Grenade. Je le vois pas. Oh là là, grenade. Eh non, mais par contre, ouais, non, le Warthog dans cet espace. Là derrière, regarde. Non, mais gardez le Warthog sans blaguer. Gardez le Warthog, vous allez comprendre pourquoi je vous conseille de garder le Warthog. Moi, je vous ouvre les portes. Dans cet espace aussi confiné. Oui, je sais, mais. N'avancez pas trop. Tu sais, un Warthog, ça peut être détruit rapidement. Hein. Oui, mais quand tu vas voir ce qui va arriver, tu vas être content de l'avoir. Surtout par exemple pour ça. Ah, mais là, le problème, c'est que moi, je peux pas bouger en fait. Je peux faire que ça en fait. Avancer, reculer. Je peux éventuellement. Je peux pas trop te mettre sur la droite ou la gauche en fait. Je suis mort. Attention, les grenades. Ouais, je suis désolé, hein, je fais comme ça. Alors. Là, ça dérange pas, mais au moins, comme ça, c'est vite les grenades. C'est exactement ça qu'il faut faire. Non, mais ça, c'est tout à fait compris. Oh non. Grenade. Allez. Ouh, j'ai un petit véhicule pour toi là. J'essaye de passer la. Ah putain, j'essaye de passer la quatrième. Ah merde. C'est quoi ce véhicule? Putain. Une femme au volant. Merci pour l'imitation. Oh la foire. Quelle est la situation, commandant? On aurait presque dit que c'était Léo qui conduisait, non? Oh, attends, ah ouais, d'accord. Donc, je vais te laisser là, vas-y. Ouais, rapproche-toi un peu du bord. Ouais, là, les gars, ah non, ouais, parce que là, je tire un mur. Il y a largement de quoi se faire. Là, il y a des gros. Vas-y, je vais descendre. Il y a des apparitions. Vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, je le gauche. Non, il est avec nous, lui. Lui avec nous. Voilà, là il y a une première apparition qu'on va pouvoir tirer dessus. Attention derrière, je sais pas ce qui se passe. Ouais, sur l'apparition en haut, il y a du Banshee. Il y a un fantôme. El Banshee. Ah non, c'est un fantôme, d'accord, j'avais plus voir. Derrière. Ah, il y a aussi des apparitions, je vous rassure. Fais gaffe, il y a un gros trou derrière lui. Je mors. Fais gaffe, Falcon, tu es tout justement, seul. Justement, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai pris le Ghost aussi, est-ce que je voulais m'assurer. Parce que là en plus, oh là là. Il y a, je sais pas si vous avez vu qu'il y avait un. Arrière, au pire, il y avait un Warthog.
Oui, oui, là, par terre. Par terre, ouais. J'appellerai. On va aller le prendre. Oh la vache. Je vais le retourner, tu l'encules. C'est bon, on a eu point de contrôle, les gars. C'est bon bien... Attends, t'es où? Ah. Tu veux conduire ou tu veux que je continue à conduire? Moi, je m'en fous. Mais on peut pas tirer avec cette chose. Mais t'es où là? C'est quoi une chose? Ah oui, d'accord, oui, oui, t'as raison. En effet, on peut pas tirer avec cette chose. En fait, le Warthog il sert à rien. Mais comment ça, il sert à rien? Non, mais le Warthog qui était par non. terre, il servait à rien. Sérieux? Ouais, ouais, on pouvait pas tirer avec. Donc, en gros, attends, l'ancien. L'ancien ouais. il fonctionne. Parce que là, ouais. Ok, moi je vais rester quand même au cas où. Attends, pour, j'arrive. Si vous crevez. Je sais pas. Parce que mon ghost en plus il est pas endommagé, pas. Ça m'embêterait un peu. Dépêche-toi, il y a du monde là. Avec une apparition. Oui, une apparition. Vous allez la voir ou pas? Parce que sinon, pire, je lui tire. Ah bah oui, non, elle nous tire même pas dessus, t'inquiète. On est tranquille là, tu elle vois. Elle est sur moi ou elle est. Non, elle est. Elle est sur toi. Enfin, en tout cas, elle est pas sur nous. Bah, elle est pas sur moi aussi, hein. Nous on est tranquille. Alors je sais pas si on lui fait des dégâts parce que ça. Bah normalement si, tu vois bien que les impacts sont dessus. Après oui, j'avoue que c'est long. Je trouve ça un peu. Non, t'approches non, mais... pas. Parce que, du coup elle va nous voir. Non c'est bon, regarde. Ah non, arrête de tirer. Ah merde, on aurait pu la prendre. Oh, oui non mais elle était en très mauvais état. Oh, on aurait pu la prendre. Ah ouais, là par contre, fais un saut. Un saut, mec. Prends ton élan. Prends pas trop d'élan. Je vais vous montrer comment on fait. C'est comme ça qu'on fait. Oh là là. Ah c'est bon, vas-y. Mais juste comme ça on va pas se faire troller par des grenières parce que tout à l'heure il arrêtait pas de me lancer des grenades plasma, je vous le dis juste comme ça. Vas-y, avance. Non mais y'a personne. Tu peux rentrer Ah bon, tu crois qu'il y a personne? Bah là pour l'instant y'a personne. Ah si, attends, y'en a un petit dans le coin. Vas-y à gauche là. Ouais. Exactement lui là, c'est ça. Y'a un deuxième. Ok, y'a grenade. Troisième. Ça... Là-haut, ouais, par contre, c'est des brutes qui font plus mal. Quand je dis j'arrive, le mec il se casque. Et il y, y a un mec avec une tourelle qui l'a détaché plasma, je vous le dis. Je vais sûrement voir au niveau du radar. C'est bon, je m'en occupe. Et il est mort. Voilà. Putain, le nombre de biches. Ah, attends, il est avec nous. Non, il est avec nous, n'hésitez pas. Attends, y'en a un sur un côté là, ouais, j'en ai une sorte oh, de brute. Oh yeah! C'est bon, oh le truc que j'ai fait. Nick. Je sais pas comment t'es toujours avec moi, Pelin? Ah oui, d'accord. C'est, attends, y'a un mec derrière là, je vois pas trop où il est. J'ai l'impression qu'il est caché. Non, je vais aller. C'est ouvert pour vous ou pas? Ouais, c'est bon, c'est ouvert. Bon, par contre, première vue, la porte est difficilement prenable. Parce que je... Ouais, là. En fait, ouais, là, je sais pas si vous voyez sur le radar le gros point rouge. Oui, je le vois en fait, justement, je me demandais ce que c'était. C'est votre cadeau que je vous disais depuis tout à l'heure, comme quoi il fallait garder un Warthog. Ah, d'accord. Ah oui, mais là, je vais crever là. Ouais, là, ça va être. Ouais, bah ouais, là, c'est inévitable. Yep. Et t'aurais pas pu nous prévenir? Bah non, justement, c'était la surprise. La surprise, tu vois. Ah ouais, super! Bravo! J'ai rien fait moi. Alors ils sont où du coup? Ok. Je suis beaucoup plus à l'aise. Évidemment, je suis beaucoup plus à l'aise depuis que j'ai récupéré Master Chief. Je suis bien content de tout ça. Bah non, mais comprends-moi, Pèlerin. Moi, si j'ai pas Master Chief, hein, sachant que j'ai fait tous les let's play d'Halo, honnêtement. Enfin tous les jeux Halo en let's play quoi, 7 au total quand même, là c'est quand même mon 8ème jeu en let's play Halo que je fais hein. C'est quand même pas rien. Eh ouais. Il y a du vécu. Eh ouais. Ouais papy, c'est de la raison. Y'a du vécu hein. Ah ouais, y'a du vécu. Attention je vais là. Mais... Le jeu est pareil, tu vas pas être plus fort avec Master Chief. J'ai affronté dieux et démons. Donc je vous présente Dieu, moi, et je vous présente les deux démons. Ils sont sexuels, j'ai l'impression. On est du même côté. Ah ouais, non, moi je monte pas là-dessus. Eh bah si, je te conseille. Et quand tu vas voir ce qu'on va faire. Elle sert à rien, sauf si t'as un bazooka, quoi, comme les autres. Allez. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça va, mec? Mais quel gogol! J'ai l'impression qu'il avait pas trop envie de te conduire, Mais quel gogol!
Et vous tu recommences pas. Alors, hier soir j'ai pris un café avec ma femme et. Qui recommence pas. Mais en fait, j'ai un Marines en fait. Tu sais, on avait une petite butte, tu vois, il a tiré aux roquettes. Et bah en fait, la roquette nous est réatterrée, tu vois, tout simplement. Bah là, t'es encore mort. Ouais, pour info. Alors, c'est quoi qui nous tire dessus là? J'aimerais l'analyser tout de suite pour. Apparition. En fait, là, on est un peu dans la merde. Quoi, parce que... Parce que les véhicules ils puent là, ouais, ouais, non, mais c'est ce que j'ai depuis le début. Non, c'est pas que les véhicules puent, c'est que surtout on a quasiment très peu de lance-roquettes. Donc. T'inquiète, je me charge de tout, Oui, t'as vu ce qu'il y a en bas? Regarde, gros. Non, mais justement, je m'en charge. Vas-y, viens là, mon pepper. Bon, oui. Ah putain, mais je suis libre. Au pire, est-ce qu'on leur net? Oh non, mec, viens, du skate. Viens là, toi, viens là. D'accord, cette blague. Ah mais non, mais j'étais en train de le poursuivre depuis 3 heures. Ah mais voilà, oh là, tu vois, j'ai du skill, voilà, tu vois. Ah ouais, il s'est arrêté, on l'a juste un peu vu. En 2-2, tu vois, voilà, je tue... Massacre, ouais, le but c'est quand même de tuer les apparitions, massacrer les apparitions. On va trop mal les apparitions, c'est un chopper. Moi, par contre, c'est du skill. Vas-y. Ah putain, il est mort, c'est con ça, c'est pas bon, parce que je suis mort aussi. Ah, j'ai un pèlerin, ouais, attends, je vais reprendre mon véhicule là-bas. J'ai durement gagné contre un grognard. Voilà, attention, je fais pas défoncer avant parce que je vois qu'il y a des mecs qui foncent dessus. Ouais, je vais peut-être rester en retrait, je vais voir. Oh, il y a quoi d'intéressant là-bas? Serait-ce pas un ghost? Un ghost? Ghost! Elle costa! T'étais obligé de me faire mal quand t'es parti? Mais c'est pas de ma faute, à moi! C'est pas ma faute. Si jeune! Désolé! C'est là qu'on s'en rend compte quand même qu'ils l'ont bien remodélisé pour la version vraiment 1080p quoi, c'est vrai que ça fait plaisir. Bon, l'apparition cette fois on va s'en occuper. Oh nickel. Je sais pas qui s'en est occupé mais... Moi au bazooka. Pour lance-roquette. Non, tu l'as fini, pas au lance-roquette. Ah je crois que c'est ta roquette qui l'a complètement... Non, je crois pas. Moi je crois que c'est toi. Gaffe, on a des bunchies sur notre cul. Pourquoi je perds de la vie? C'est les hélicos, non? Ah, c'est les Banshees. Repérez d'ores et déjà là-bas, la bâtisse qu'on voit. Il débarque quoi là? Ah, ouais, carrément! Non, ça, on va aller me faire foutre. Non, en fait, non. Jugement, ouais, bah, comme le sous-titre de cette partie. Sans baguer, non. C'est qui m'a tué comme ça? Je suis désolé, en fait il est incontrôlable ce véhicule, c'est simple. Oui, il est incontrôlable. Il est fort, mais il est incontrôlable quoi, tu vois. C'est... Le petit virage en plus. Par contre, Falcon a essayé de te tuer, là j'en suis. Regardez là-haut. J'en suis témoin. Là-haut. Tu vois pas ça là? Ah oui, ouais, bah on se casse. On se barre. Un scarab. Vous connaissez le point faible, rassurez-moi, le scarab? Bah oui, il faut monter. Ah, à l'intérieur, ouais, voilà. Non, mais déjà, il faut déjà, tirer sur ses pattes. Les pattes! Ouais, aussi les pattes. Comme ça, après, ça le. Comment dire, ça le. C'est qui est mort? Là, je crois que c'est moi qui joue le tank, là. Là, je joue le tank, là. Je vais. Tout seul. Je vais me péter la gueule, faites gaffe, je suis pété la gueule! Non! La vache. Par contre, il fait mal, il fait super mal. Je sais pas pourquoi si. Pourquoi les grenades coulantes ça colle pas sur lui? Parce que c'est un scarab. Je sais rien moi, non? Non, normalement ça doit pas me coller, attends je vais te tuer. Ah ouais, mais ouais, d'accord. Par contre là j'ai enfoiré mes deux grenades. Est-ce que je peux lui piquer son. Oui, tu peux. Ah, j'aimerais bien. D'accord, je viens de comprendre comment t'es en train de faire toi pour lui piquer. Voilà, je l'ai. Non, je l'ai pas tué. Non, mais je croyais que t'étais en train de le tuer en fait, je te voyais. Ah, j'ai plus de vie, j'ai plus de bouclier. Allez, mais c'est pas possible. Ok, j'ai loupé tous mes tirs. Ouais, non, mais par contre, ouais, ça m'inquiète parce que là... Je crois qu'il y a une patte qui va pas tarder, là. Faut tirer sur la partie violette ou sur la partie... Grise, moi je dirais grise. Hein. Grise, enfin, violette. Ouais. Ça sert à rien, ouais. C'est l'armure, quoi. Mais vous avez vu comment c'est résistant? Bah, on est en légendaire. Oh là 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 là, qu'est-ce qui m'a tiré dessus, là? C'est pas possible. Fais gaffe, il y a des légendaires. Ouh, ah, tu t'es pris une patte. Tu verras sur la vidéo, tu t'es pris une belle patte. Oui, mais c'est dommage que vous n'avez pas vu ça parce que... Si, justement, moi j'étais sur toi. Mais
je suis allé super loin. Hors de la map et tout. Oui, par contre, je confirme, ça se colle pas en fait sur le scarabée. Ça m'inquiète parce que je suis quand même avec le gosse depuis tout à l'heure et j'arrive pas à tirer et ça ne fait rien. En fait, il nous faudrait des véhicules ou des bazookas quoi, mais là j'avoue que. Bon bah, je sais ce que je vais faire au pire. T'es où? Viens là. Viens là, je te dis. Faut que je me fasse. Viens là. Non, c'était mon idée. Tu voyais de faire quoi? Il y a plus de bazookas, c'est ça? Ah non, il y a plus de roquettes. Non, non, David lui a volé. Perra. Oh, wow, on est dans... on est mal en fait. Hein. Je lui ai mis les roquettes déjà. Ouais, en plus, il lui a mis, je crois. Putain, c'est vrai que c'est quand même super résistant la vache. Ouais, c'est abusé limite quoi. Je recule moi, je vais en arrière juste pour voir s'il n'y a pas des véhicules ou quelque chose comme ça pour. Ça sert à rien de mettre des grenades en plus. Parce que là, franchement, monter dessus, je vois pas comment on pourrait faire. Ah, j'ai peut-être trouvé, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui tirent là-bas avec des sortes de lance-patates là, là où je vais. Je vais voir si je peux prendre leur place. Ah oui, les soldats qui sont avec lui. Alors, on a un coup de sac. J'ai quelques petits lags, hein. Je sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi. Bon, rien de bien méchant. On peut prendre leur place. Ça s'appelle une tourelle lance-missile. Allez, c'est parti. Je vais aller à ta droite. Ouais. Enfin, ta gauche de ton côté. Parce que là, on va jamais s'en sortir en fait. Moi, je l'ai toujours fait en fait avec la mangouste en fait. Donc, ouais, Pélin, si tu veux, tu peux venir là où on est. Regarde, on leur tire des gros missiles dans la gueule. Ils risquent pas de nous tirer dessus. Vas-y, laisse-moi la place. Voilà. En plus, c'est automatique en fait. C'est une sorte de lance-roquette automatique, c'est sympa. Détache surtout pas la tourelle par contre. Oui, j'avoue, c'est un peu. Ah ouais, alors sauf que là, ouais. Sur les pattes. Il y en a plus que deux ou quoi? Moi je suis mort. Ouais, moi je vais éviter. Voilà, parce que le but c'est. Oh, non, c'est pas... Ah merde, il a pété la tourelle! Oh là là là, il a pété la tourelle. Il y a moyen de la récupérer, mais ouais, voilà, je l'ai, mais. Il bouge encore là ou pas? J'arrive. Oui, il bouge encore. Faites bien attention à tirer sur les pattes, hein, surtout. Ouais, mais là on va être très limité quoi. Ça va être chaud en fait. Il y a forcément un moyen. Ce qui veut dire, c'est qu'on lui tire dans les pattes depuis tout à l'heure. Attendez. J'ai peut-être une technique. Je promets rien, mais. Vas-y, je te regarde. Non, mais regarde, tu peux activer un ascenseur, je suppose. Et donc, tu peux gagner de l'altitude. Pour lui sauter dessus. Pour lui sauter dessus, ouais. On va regarder, je vais avec toi. Ah bah oui, regarde. Ouais, on va essayer, mais attends, t'as vu où il est? Bah je sais, mais faudrait l'attirer. Ouais, mais il viendra pas forcément là. Bah si, au bout d'un moment il viendra quand même. Ou alors faut que Pélin fasse la part. J'ai cru que t'allais dire que Pélin fasse le tapin. Tu peux aussi, hein. Allez. Désolé. Ah merde, je me suis pété la gueule moi. Je reviens. Aïe aïe aïe, j'esquive les salles. Viens vers moi là. Sois un mignon petit scarabe et viens vers moi. Y en a pas un qui voudrait l'attirer, je sais pas. Oh, je suis tombé. Ah, je suis pas mort. Non, je peux remonter. Parce que là, faut qu'on trouve une solution. Hein. J'ai l'impression qu'il y a déjà deux pattes de mort à moitié. Je vois que ça comme solution en fait. Il y en a un qui fait la paille, il y en a un qui essaie de monter par l'ascenseur. Il y a encore des bazookas ou pas? Ah non. Ah attends, il y a un autre ascenseur. Ça va. Juste à côté de lui en fait. Ah ouais, j'ai vu. C'est bon, je m'en occupe. Je sais pas si t'auras assez de distance. Hein. Quoique. Quoique. Ah si là il bouge pas, ça peut le faire. Ouais, normalement si. Moi je l'attire, voilà, là il est sur moi. Profitez-en. Oh non, il vient de bouger, non. Oh là là, il était pile au bon endroit en fait. Je vais essayer de mon côté. Ou alors le but c'est qu'il faudrait qu'on se regroupe tous les trois pour que vraiment ils se concentrent sur les trois en même temps. Enfin, il y en a un qui réussisse à passer. Attends, il y a une échelle au milieu là pour monter là. S'il se rapproche, mais c'est bizarre, je sais pas ce qu'il fait. C'est quoi ce délire? Mais lol quoi, mais non.
Oh là là. Ah, c'était pas mal ça. J'ai pas compris pourquoi t'es tombé. Moi non plus, mais bon. Il revient tout seul, au moins. Ah oui, il revient tout seul. Ok. Est-ce qu'il y aurait pas un boss ou... Y'a plus rien. Plus rien du tout. David, c'est génial là où tu l'as mis, je crois. Attends. Ouais, y'a des chances. Donc bouge pas. Je vais regarder si je peux monter dessus, moi, d'ici. Hop. C'est devant moi par rapport ici. Oh, il m'a tué. J'ai pas compris parce qu'en fait, je suis monté dessus, mais y'a une sorte de mur invisible qui m'a empêché d'aller dedans. Non, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on se mette tous sur une patte, je pense. Non, le problème, c'est qu'avec les armes normales, tu lui feras rien. C'est ça le truc. Oulala. C'est bizarre parce que. Quand je zoome, pourtant ça dit que c'est rouge quand je tire sur une patte. Ouais, non, tu peux tirer dessus, mais j'avoue que. Bah, surtout en légendaire, à mon avis, tu vois. Pour lui faire gauche. Il faut ce qu'on ait des armes lourdes. C'est-à-dire, en gros, grenade, lance-roquette, lance-grenade. Master Chief, il a vraiment pas en plus un saut de fou. Là. Perso, ça fait 3 essais que j'allais dessus. Le troisième là, il était bien, mais je suis allé dessus en fait et ça m'a repoussé direct. Ouais, c'est bizarre. Hein. Là, par contre, je pense que je peux pas sauter dessus d'ici. Non, il faudrait qu'il soit un peu plus approché. Non, il y a des mecs dessus. Je vais essayer de remonter, moi, pour ma part. Hein. On va bien voir. C'est moi, il s'est arrêté. Ah oui, d'accord, c'est parce qu'il continue à tirer. Comment on fait revenir la plateforme? Elle revient toute seule normalement. Ah bon? Ouais. Bizarre, moi j'ai rien. Ah si. Ouais, t'es au bon endroit, ouais, vas-y. C'est bon. Tu sais, j'ai encore de me péter la gueule. Ok. Allez. Putain, la vache, c'est compliqué, hein. Ouais, j'ai l'impression que. Tu l'avais tué comment quand tu l'avais fait? Bah j'étais en mode normal et puis moi c'était avec le mangouste et... Ouais, avec les pattes. Les roquettes. Les roquettes sur les pattes, ouais, ça passe tout seul. Hein. Pèlerin, tu peux te rapprocher de nous s'il te plaît? Ouais. Te rapprocher vers moi. Ouais, non, j'ai pas l'impression qu'il... Te rapprocher vers moi, si, moi j'ai l'impression justement, voilà, si, il se rapproche. Non mais pas... Voilà, dans ce sens-là, voilà. Ah, non. En fait c'est ça ce qu'il faut faire, c'est la technique, c'est ça. Il y en a un qui l'attire en fait et puis qui reste un peu face à cet endroit là quoi. Oh, comment j'étais projeté. Ah bah, je me retrouve là-haut. Ah bah, on est tous les trois là-haut en fait. Mais bon, là on peut pas monter dessus, je pense. Il faudrait essayer. Ah, ça passe presque. Dommage. La seule technique c'est ça, hein. Je vous le dis, c'est là, je vois pas comment on peut faire. C'est bizarre, je suis tombé sur sa patte et je suis mort direct. Ça c'est normal, il fait que non, sûr, au-dessus. Il y a quelqu'un qui est là-haut ou pas encore? Ouais, personne. Faites gaffe parce que du coup moi je suis mort. Non mais on peut y retourner, hein, mais bon... On lutte quoi, c'est pas possible. Wow. Il est méchant ce scarab, il est très méchant. Ah oui, d'accord, il est en train de me tirer dessus, je pourrais rien faire. Super! Super! Ok, bon, on va bien trouver une solution quand même. Là, on lutte. Hein. Ouais, je sais même pas si on peut monter dessus sans déconner, hein, parce que. Moi, tout à l'heure, franchement, quand tu regardes la vidéo, hein, j'étais limite dessus, mais ça m'a éjecté direct. En fait, il y en a un qu'il faut qu'il reste en dessous pour l'attirer. Je suis persuadé que c'est ça. Parce que là, le problème, c'est que. Non, on a pas assez de. Non, on a pas assez. Y'a quelqu'un qui peut aller sous le. Ici, là où je suis? Sous. Bouge pas. Cochonnerie, va. Ah, bah là, j'étais dessous, mais il m'a tué direct. Il bouge. Oula. Alors. On voit comme une porte, comme si que ça, ça t'invite à essayer de sauter dedans direct. Ah mais c'est ça, c'est clairement ça. Le problème c'est que là avec la distance qu'on a, on pourra pas y arriver, même avec le plus grand des élans quoi. Je reste dessous, j'essaie de tirer plus ou moins mais.
De là, il y a une pâte qui est carbonisée. Au pire. Hein. Grenade comme ça. Je parle, ça ne fait que dalle. J'aime pas galérer en plus. Non, on n'a pas de jetpack, c'est pas vrai. Non. Ça partira justement de l'orage qui avait le jetpack. Ah, il devrait y avoir une putain d'astuce, mais attends, je suis où là ? Oh, j'étais au-dessus. Je suis en train de regarder un petit peu, je me promène, voir s'il y a des choses que j'ai pas vues. J'ai bien peur que malheureusement, notre seule solution était de... les deux tourelles, hein. Mais là... c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est pas grave, je vais me promener parce que je vois pas... D'accord, tu te promènes dans mon goût, ça. Ah bah oui, attends. Tranquille. Ah bah attends. Mais le problème c'est qu'il veut même pas venir quoi. Il veut même pas venir. Peu importe le côté quoi. C'est abusé. Il veut pas s'avancer quoi. Bon bah. Bon. C'est quoi? C'est un cadavre de Hornet là-bas ou pas? De Warthog. Warthog a priori. Ouais. Warthog. Bon bah. Ouais, je vais aller regarder au-dessus. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'il se concentre. C'est con ce que je vais dire, mais que sur moi. Mais c'est normal, t'as pas son shift. En fait, je vais. Non, mais regardez là, il vient vers moi. C'est bien ce que je dis. C'est moi qui l'attire en fait. Putain, je viens de ces lags moi. Il avance là où il avance pas. Vas-y, avance. Viens, Coco. Viens par là. Alors, on va apprendre à prendre une échelle correctement. Voilà. C'est le réacteur, je me suis annoncé, t'inquiète pas. Il va mourir. Ok, alors. Comment on peut faire? J'essaie de monter un véhicule là-haut pour prendre de l'élan. J'ai pas réussi. Ouais, non, mais c'est dur, hein. Normalement, t'as de l'espace quand même. Enfin, pour un mangouste, ça peut aller, mais. Mais oui, mais. C'est pas évident. C'est pas vraiment bien placé, ouais. Le véhicule a explosé. Ah, super. Ça devait être le dernier, quoi. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas des armes dans un coin, les gars? J'ai bien peur que non. Hein. Bah, il y a des armes, mais c'est pas des armes intéressantes, quoi, en fait. J'essaie de regarder si au cas où il y aurait plein un lance-roquettes, mais. J'ai bien peur que. Le problème, en fait, surtout, c'est les grenades, parce qu'au final, nous on a des grenades collantes, mais ça les colle pas. Je suis dedans, je suis dedans, je fais quoi? Ah, parfait, mec. Bah, alors, là, tu. Surtout, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est. Tu vas trouver une sorte de halo lumineux bleu, en fait. Qu'il va falloir que tu détruises, et en fait c'est le cœur énergétique du scarab. Promène-toi là sur le scarab. Il va falloir logiquement que tu montes là où. J'essaie de te cover. Il y a un truc tout bleu, ça peut être ça. Ouais, c'est ça. Et faut que tu tires dessus. Un écran bleu. Pas ça, hein, pas non, pas ce que tu vois là. Il faut que tu redescends ou que tu remontes, je sais plus. Alors attendez, je vais remonter. Mais si je monte, je suis à l'extérieur. Oui, bah justement, il faut que t'ailles de l'autre côté en fait. Parce que là, t'es à l'avant du scarab, faut que t'ailles à l'arrière. Non, sans remonter en fait. Sans remonter. En fait, t'as des passerelles sur les côtés. Je vais tourner. Mais non, mais là, tu redescends là. Oh, là. Je te vois de loin. Attends, mais. Alors, sur les côtés, comme ça. Voilà. D'accord. Là, je vais là. Et comme dans tous les appareils Covenant, en fait, à chaque fois son point de faible c'est à l'arrière des véhicules. Ah, d'accord, je l'ai trouvé. Ouais. Je l'ai détruit. Donc tu tires dessus. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Au moins tu nous auras sauvé la vie. Et surtout un gain de temps considérable. Là, faut que tu partes là. Ah, il a explosé? Ouais. Je vais te sauter, mec. Je vais te sauter pour te sauver la vie, excuse-moi. J'arrive en pélan! Non, mais en fait, c'était la bonne technique. Il s'est dit qu'il était pas. Moi, je suis mort en fait. Il était vraiment pas à la bonne place en fait. Ouais, mais c'est ça, malheureusement, ouais. C'est tout à fait ça. C'est bien dommage d'ailleurs.
mais bon. Ah, putain, j'avoue que c'est dommage, en fait, non, j'aurais dû mourir et rester sur toi. Ah, mais je pouvais pas ça. Alors, neutraliser le canon anti-aérien. Après, voilà, les mines anti-personnel, le canon anti-aérien. Ou par contre, ça lag. Hein. Voilà. Ouais, il y a un gros lag. Oui, ça lag. Vache. Alors, il faut aller revenir sur nos pas tout au bout là-bas. Vous me suivez? Yep, vas-y. Okay, on a perdu beaucoup de temps hein, sur. Ouais, on a perdu au moins 10 minutes. Ouais, 15, ouais, 10-15, je pense. Quelque chose 10-15, comme ça. Ouais. Bah, mais bon, c'est pas de notre faute, hein. S'il se place pas bien, on y peut rien. Oui, j'avoue qu'en fait, c'est parce qu'il est à la base. Soit il a, je pense, peut-être bugué pendant un moment, je pense que ça doit être ça. Soit vraiment, le jeu a voulu nous troller jusqu'au plus haut point, et dans ce cas-là, bah, c'est pas sympa. Non, parce que là, quand je suis monté, il avait même pas besoin d'essayer de sauter loin, hein, c'était juste en dessous. Oh, oui, bah, parfois il peut se placer bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a deux endroits, quoi, au cas où. À ce point-là. Hein? À ce point-là. Hop, vas-y, je m'éclate. Désolé, pour l'instant, je bouge pas, je regardais la capture pour voir si tout allait bien, c'est parfait. Je suis votre épée, votre rempart. Allez. Voilà. Des positions sexuelles un peu étranges quand même. Là, on a à peu près fait, pour info, ouais, le 3 quarts de la mission. Oh bah c'est bon, ça passe. Bon, ça, j'ai de plus en plus des mini-lacs, ça me dérange. Oui. Mais bon, c'est pas grave en soi. C'est pas que le jeu, parce que dans ton micro aussi, des fois, je t'entends mal. Sérieux? Bah ouais, ouais. C'est bah forcément c'est toi s'il y a des mini lags. Et là c'est mieux ou pas? Là c'est mieux ou pas? Ouais, là ça va, Bon allez, on va s'occuper des brutes. Les gars, je suis à la tourelle. Je légère là. Ouh, magnifique, la grenade, elle était trop bien placée. Vous m'entendez bien, c'est bon? Oui. Ah, ouais, t'inquiète. Bon. Du moment que c'est audible, hein, c'est parfait. Par contre, il y a du paypal. En fait, on entend mal seulement quand ça lag beaucoup. Oh. Je suis mort. Ouais, je retourne sur la. Ouais, là par contre, oula. Double freeze. Triple freeze. Allez. Oh, le freeze de malade. Voilà, je crois que je vais me sacrifier. Ah non, même pas, j'ai quand même tué. Non. Putain, truc de fou. Bourrin là. Là, je suis en mode bourrin, c'est fou. Ok, j'ai la bulle protectrice au cas où. Regardez. Zoup. Ouais, mais la met pas au moment où je tire. Oh, l'enculé était derrière. Ouais, et moi je te l'ai fini justement. Oh, il est là. Ouh, merci. Major, vous avez que l'embarras du choix. Bon, bah on peut y aller. Bon, moi, c'est quoi ça, c'est le. Ah, ouais, non, ça m'intéresse pas. Ouais, bah je sais pas, mais en tout cas, il y a du football. Grenade au cas où. Oh, oui, c'est bon. Bon allez. Ah, ils sont chiants avec leur bouclier en fait. Mais je tiens à dire qu'aujourd'hui, je sais pas si vous êtes connecté en début d'après-midi sur le live ou pas. Non. Il y a eu un gros problème, un gros freeze pendant plus de 1h30, j'ai pas pu me connecter. En gros, les services étaient HS. D'accord. Ouais, c'est... Ouais, je... Tout va bien. Est-ce que ça viendrait peut-être de là, je pense, parce que j'ai une bonne connexion, donc je vois pas pourquoi... Ouais, parce que là, oh là là, on a encore du freeze, hein. C'est des mini freeze, ça va, c'est encore jouable, mais... Oui, oui, c'est jouable, sans problème. Ouh, chasseur. Ah là là. On va pas s'amuser avec. Au pire. Ils ont l'air méchants. Attendez, est-ce que je peux passer par là? Non, je peux pas passer par là. Au pire. Oh oui, salut, ça va faire un max de dégâts, ça. Oh, j'ai plus de grenades. Ouh, je la colle. Je la colle. Bien dommage. Au pire, faut laisser avancer. Moi, je m'appelle Joe la colle. Joe la colle. Voilà. Celui de gauche, il est bientôt fini. Voilà, oh, oh là là là. Ça va le faire, ça. Oui, oui. Et puis à moi, ce que je vais faire, hop. Ouais, petit lag. On est désolé pour les petits lags, hein, vraiment. Mais là, c'est... On comprend pas. Alors, je vous précise que là-bas, vous avez une brute avec un marteau, au cas où. Vous ne saviez pas. Ah, pas maintenant, mais là. Ah bah, voilà. Ah, je vais l'avoir dans la capture. Boum. Ouh.
HS là, un petit HS. Oh oui. Oh là là. Ah. Mais par contre, c'est. Non, parce qu'on a vraiment des moments où tout va bien, quoi. Et des moments où. Tout va mal. Ouais, où tout va mal parce que ça lag de trop. Mais je sais pas si vous avez remarqué quand même, depuis l'épisode 2, vraiment, on a meilleur skill en tous ensemble. Hein. On meurt moins quand même. Hein. Et ça, c'est cool. Je crois. Ouais, à jouer entre nous, reprendre nos repères, etc. etc. C'est-à-dire ce qui est Halo à limite une jouabilité vraiment parfaite. Je sais pas si vous me rejoignez sur ça. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais, ça s'améliore de fil en fil. Fil en fil, oh. Voilà. Bouge. Oh oui, c'est bon, on l'a eu, c'est nickel. Oh, le prophète. Donc, je suis le prophète de la vérité. Nous avons le prophète de la pitié, ce serait. Pèlerin ou Kurama ? En fait, il nous reste regret et pitié. Mais laissez-moi mon prophète de la vérité ! J'aime pas les prophètes. Il annonce le début du grand voyage. Bon, alors je te la fixe où, mec ? Ta planche. C'est comme des vacances à la ferme. Il y a un sniper. Non, c'est une grosse tourelle. Non, mais il y a un sniper. C'est une grosse tourelle. Est-ce que je pourrais pas. Oh, je vais prendre le snipe pour une fois, tiens. Après tout. On va mourir, super. Ouais, par contre, ils sont top de résistance. Headshot! Quoi? Ah, mais c'est pas possible! Oh. Toi, tu vas prendre un headshot aussi. Headshot! Qui c'est qui fait la part parce que. Il y a du monde, hein, je vous préviens. Moi, mais je vais pas faire la part, je vais les tuer. Ok, je vous suis. Ok. Marteau anti-cramp! Ça va, tu t'en sors pas loin? Ah si, peut-être, je sais pas où il danse. J'ai un doute. Reviens là, toi. Tu t'en sors, ça va? Oui, ça va, ça va. Yeah! Ouais. Attention. Ah. Attention aux véhicules là-haut. Ils sont là-haut. On peut les voler ou pas s'ils passent à côté de nous? Oh oui, c'est bon, je l'ai eu. Oh, ça c'est bon. J'avais plus de mission, hein. Oh oui, j'ai eu le mec avec son lance-roquette Covenant. Oh, ça, je suis content. Par contre, 3 balles de limite en headshot. Hein. Et encore, je crois que je l'avais touché encore un peu de temps avant. Je m'aventure un peu, il y a quelqu'un qui peut rester en retrait, je voudrais un petit peu m'avancer. Je suis mort. Zébu. Ok. Alors... Pas mal ta grenade, Chapelin. Ouais, non, tu l'as tué juste avant. Non. Oui, non, mais c'est pour ça que tu dis pas mal. Parce que j'aimais bien. Ouh, je lui ai collé. Non, laissez-le, faites gaffe. C'est bon. Dis, faites gaffe, je lui ai collé, mec. C'est merde. Bon, m'appelle... t'inquiète. M'appelle Joe Lacolle. Faut pas approcher des ennemis. Ça sert à quoi, ça? Ah, d'accord, c'est pour se régénérer. Ok. Yes, alors, ils sont tous morts? Ah, ouais. Donc, maintenant, le but, si je me trompe pas. Il est où le noyau? Il est là. C'est bon, je l'ai buté. Tu l'as eu? Ouais. Là. Ah bah il revient. Ah bah il lui restait rien quoi en fait. This is the way the world ends.
Amiral, nouveau contact repéré. Quoi encore? D'autres brutes? Pire. Ça laisse présager que du malheur, hein, j'ai l'impression. Et ouais. Je pense que vous avez compris qui on va retrouver. Les Floods. Qui mais qui sont les Floods? Qui mais qui mais qui? On aura lutté un peu sur... Non, ça va en fait, 41 minutes. Non, ça va, wow. Oui, c'est ce que je regarde aussi. Moi, je pense que c'est très correct. Oui, je pense aussi, ouais. On aurait réussi du premier coup, là, à gagner. Ouais, Scarab. Et ben, en parlant de dîner... Oui, exactement. Fin, hein. Ah, ouais. On est bien d'accord. Bon, bah écoutez, les gars, vous avez quelque chose à rajouter ou pas? Manger des chaussettes. Mange ta main. Un petit condensé du premier, du deuxième, du troisième. Allez, nous on vous remercie en tout cas infiniment d'avoir regardé cet épisode numéro 4 en notre compagnie. J'espère que ça vous aura encore plu. On espère que ça vous aura plu. Et on se dit à bientôt pour l'épisode numéro 5, disponible donc dimanche de la semaine prochaine. Salut.